Salut, c'est l'équipe de Ghost Investigation. On va vous parler de ce qu'on a vécu à la médiathèque de Suresnes. On est encore un peu sous choc parce que c'est la première fois que autant d'événements se produisent. On a vu beaucoup de choses. On va vous laisser vous faire votre propre opinion dans la vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, mais nous, il nous arrive beaucoup de choses. Voilà, je pense qu'on a encore un peu besoin de recul pour comprendre ce qui s'est passé. On n'a clairement pas pu passer la nuit à la médiathèque. Et ben voilà, on vous laisse regarder les images et vous faire votre propre avis. Salut, on est devant la médiathèque de Suresnes. Il fait bien froid. Je vous rappelle, l'objectif de ce soir, c'est de passer la nuit dans cette médiathèque qui est supposée hanté. En tout cas, les gens qui y travaillent ont ressenti différentes choses. Des portes qui claquent, des livres qui tombent. Myriam, tu es assez sensible à tout genre de choses, donc tu vas pouvoir peut-être ressentir le lieu. Ce qu'il en est pour le côté technique. Pour le côté technique, voilà. Nous avons un K2. Pour capter tout ce qui est onde un peu spéciale. Exactement. Et bon, on a de la lumière, toutes ces choses-là, et puis Mickaël qui assurera le film. C'est parti pour une nuit dans la médiathèque de Suresnes. Allez. Donc là, c'est les bureaux du personnel. C'est ça, apparemment. Ouais. Hein. Ça a l'air plutôt calme. Voilà, attends de voir ce qui va se passer. On sait jamais. Très lambda. Pour l'instant, tu ressens quelque chose, toi, ou... Pour l'instant, rien. Non. Des bureaux classiques. De toute façon, tous les événements qui ont été relatés, c'était plutôt dans les étages. Dans les étages. Ça, apparemment. C'est grand. Donc, je crois que ça monte en colimaçon, c'est ça ? Ouais, donc, ce qu'on peut faire, c'est monter petit à petit, faire un premier tour. Ouais, puis après, après on s'installe avec le matos. C'est ça. Ouais. Alors, on est au premier étage. Je crois que c'est la jeunesse. Pour l'instant, rien. Tu ressens toujours rien. C'est le calme plat. Est-ce que j'allume Peut-être, ouais, commence à allumer le matériel pour faire un premier constat. Pour l'instant, c'est classique, de chez classique. Peut-être un peu plus tard dans la soirée. Bon, on continue. Là, c'est la musique. Ouais, ça a l'air. Bon, tu vois rien. Plutôt calme. Wow. Qu'est-ce que c'est? Il y a un truc là. Ouais. Qu'est-ce que c'est, toi, hein? Et c'est tous les trucs qui se voient. Wow. Il y a quelqu'un? La lumière. Attends, faites gaffe où vous marchez. Ouais. Ouais, c'est un minuteur. Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est un minuteur. On va peut-être sortir le matos, là. Ouais. On a bien fait de les prendre tout de suite. Oui. Parce qu'au moins, comme ça. Wow. Bah, t'inquiète, c'est rien. C'est un truc qui est programmé pour s'éteindre au bout d'un moment. Moi, c'est sûr. Je suis pas persuadé. Ça va, tu vois, avec ta caméra, là? Ouais. Ouais, comme ça, on n'aura pas à l'éteindre la lumière. Pour voir le bon côté des choses. C'est d'autres ambiances là. Ouais. Vous sentez l'ambiance quand même un peu plus pesante là, hein? Ouais, totalement. C'est bizarre. Hein? C'est parce qu'il fait nuit, c'est tout. Vous sentez ce froid là d'un coup? Ah, il y a un petit vent là. Il y a un petit courant d'air là. Ah, ça va venir de quelque part. Non. Mais si. Non. Je suis pas rassuré là. Non. Attendez. Quoi? Venez voir, là, il y a quelque chose de bizarre sur la caméra. Ah, vous psychotez, là. Non, mais regardez. Qu'est-ce que c'est que ça, regardez, là. Quand j'avance... Ah, il y a un truc, hein. Ah, ouais. Vous voyez? Ouais. Regardez, je crois que... Vous avez vu ça? Ouais. Attendez, il y a quelque chose, là. Ça bouge. Non, mais calmez-vous. Mais non, regarde. Non, mais... C'est pas normal, là. C'est pas normal. À côté d'un panneau électrique. Là, il y a un truc, hein. Mais il y a rien. Je suis pas rassuré, là. Il y a un panneau électrique quelque part, là, dans le coffrage. Puis ce courant d'air là. C'est vrai que ça crée. Je commence à flipper. Hein. Tu sens cette ambiance? Bah, la vraie question, c'est est-ce que toi tu ressens des trucs avec... Là, ça commence à être pesant. Avec tes pouvoirs. Une ambiance un peu. Wow. C'était quoi? C'était par là? Je sais pas, mais. C'est
flippant. Y'a quelqu'un? Mais attends, mais t'inquiète, c'est quoi? C'est sûr, c'est un rat qui a fait tomber un truc. Un rat dans une bibliothèque? Tu vois quelque chose? Ouais, y'a des bouquins qui sont tombés. Wow. Mmh. Apparition de Philippe Baudouin. Non. C'est un spécialiste. Mais non, c'est pas possible. Science de l'occulte. Non, mais c'est un signe, là. On nous fait une blague. Ah, je commence à flipper, hein. Mais non, mais attends, il y a une explication, forcément. Non, là, l'ambiance commence à devenir... On n'a jamais eu ça, hein. Non. C'est un chat qui est passé, qui a fait tomber le truc. C'était pas ici, justement, les histoires? Bah, je crois que c'était un peu à cet étage. Et là, on est déjà pas mal haut. Bon, mais on continue? Ouais. C'est comme si j'ai du mal à respirer. Ouais, moi aussi, ça, c'est parce que vous stressez, c'est vous faites froid après tout. Non, c'est comme si on était observé. Arrêtez, vous faites flipper. Non, sens pas, genre. Tu sens pas là? Ouais. Ouais, moi aussi je. Toi aussi? Ouais, ouais. Là je. Ah non, je me sens pas du tout. Wow. Il y a quelque chose là. Quoi? On est observé là, hier. Non. Quoi? C'est négatif. Non. Hé! Hey, je vous jure, j'ai vu un. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je sais pas si c'est une bonne idée d'y aller. Attends, non, moi j'y vais pas, j'ai trop peur. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non. On y va pas. Voilà, on vient également de revoir la vidéo, on est vraiment encore sous le choc. Surtout plein d'interrogations. Beaucoup d'interrogations, j'essaye un peu de recoller les wagons, mais j'ai du mal à tout m'expliquer. Mmh. À vous, dans les commentaires, de nous dire ce que vous en pensez. C'est ça, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner. Cliquez sur la petite cloche pour avoir toutes les notifs. À la prochaine.